Donc tu m'adresses sur ce cieux. Molière, accueille-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Molière, informe-toi qui aujourd'hui vraiment est dans le dernier vidéo, okay, le dernier principe et pour réussir en 2018. Comment le film Jésus et vous faire une téléconférence qui appelle 3 principes pour réussir en 2018. Mais avant qu'il me commence mon vidéo, me demande-toi, donne-moi toute l'attention. Et le premier vidéo, c'était le thème, c'était l'opportunité. Le deuxième, c'était bien gérer son temps. Et aujourd'hui, je voulais vraiment qui te prend en considération sa exhortation. Ok, c'est une exhortation qui vous transforme de la vie. Capable de trop cette exhortation, capable d'un petit peu et moi pas pour dire ça bizarre, non. Mais avant qu'il te lapide moi, ok. Avant qu'il te lapide moi, et laisse qu'il soit capable de suivre sa message là, afin qu'il soit capable de comprendre qui tu es. Molière, annonce-toi qu'aujourd'hui, et le thème c'est ne gaspille pas ce que tu as. Ok. Donc, vous trouvez dans la parole de Dieu qui est vraiment Jésus-Christ. Il n'est pas content qu'il vraiment nous gaspille toute petite chose qui lui est là. Tu connais, et un jour, quand nous rentrons dans les cieux, nous prenons un compte à rendre pour toute petite chose que Dieu fait de nous pour gérer. Tu connais, si arrivé ton vêtement, si arrivé peu importe quelque chose qui lui est là, c'est pas pour toi, non. Et Dieu fait prouve qu'il vraiment tu as la capacité et vraiment pour gérer sa petite chose là pour les bienfaits, premièrement de Dieu et aussi pour tes bienfaits, pour tes besoins personnels. Alors bien-aimé, je voulais encourager toi pour te ouvrir la Bible ensemble avec moi dans Matthieu, le chapitre 14. Nous pouvons faire la lecture et au verset 19 jusqu'à 21. Ok? Ensemble avec moi, nous pouvons lire et laisse-nous lire à partir du verset 15. Ok? Il dit comme ça, il dit, le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villes, dans les villages et s'achètent des vivres. Jésus leur répondit, elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Mais ils lui dirent, nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Vous connaissez ce verset-là, c'est un verset qui vraiment nous peut comprendre dans notre version aujourd'hui. Continue, suivez-moi. Il dit, il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe. Prit les 5 pains et 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Et les disciples les distribuèrent à la foule. Il dit, tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Aujourd'hui, je voulais vraiment attirer de l'attention le verset 20. Et c'est ce que je mange, je rassasié. Et maintenant, qu'il fait après, je finis retourner, je finis amène 12 paniers pleins de morceaux qui finissent rester. Bien aimé, je voulais encourager toi aujourd'hui, vraiment, pour comprendre cette histoire-là dans la façon que Dieu pour révéler ça à toi. Tu connais cette histoire, le dialogue comme ça, qui vraiment Jésus-Christ, et le film fini, fait ce qu'il devait faire, vraiment le film fini. Et ben, ici, le dialogue, il dit, mais tu connais, envoie quelqu'un qui peut suivre Jésus-Christ, il dit, renvoie les gens dans la ville, dans le village, afin que tu sois capable à la cité, que tu sois capable à manger. Qui fait parce que vraiment, comme la Bible dit, lui, le film passé, vraiment, je t'y fais. Mais seulement, Jésus-Christ, qui finit dire, il dit à ce moment-ci, je ne connais pas bizarre, envoie cette personne-là. Mais même donne-je la nourriture à manger. Et il trouvait qu'après, ben, disciple, je fais, trouve la réaction de Christ dans sa façon-là. Je dis, maître, et il y en a seulement 2 pains et 5 pains et 2 poissons. Alors, mais comment nous pouvons faire 5000 dimoules manger? Et c'est là qu'il nous trouve. Jésus-Christ, il lève et il prend ce qui est là.
Ok, il finit de ça là-haut, il finit de faire la prière de la bénédiction et le trouve au moment que ben, disciple commence pas à tarder, le trouve la multiplication y arrive. Bien-aimé Mollet, et montre-toi qui, au moment que tu es ici dans une situation que tu peines dans lui, au moment que tu es ici parmi dans une situation, ok, te trouve-toi vraiment un manquement et un tout qui chose. Okay? Au moment que Jésus-Christ va intervenir dans ta situation, nous trouve la multiplication. Au moment qu'il nous trouve vraiment et nous demande Seigneur vraiment dans telle situation, dans tel problème, Dieu est là pour capable et amène une multiplication de la vie. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et avec Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas pour les nous sans manger. Jésus-Christ n'est pas pour les nous sans vêtements, il n'est pas pour les nous et vraiment abandonné, non. Parce que la parole déclarée, il n'est pas avec nous tous les jours. Mais ici, nous trouve une petite chose qui vraiment, le peuple, vraiment, est reconnaissant envers Jésus-Christ. Au moment qui vraiment, un disciple finit et fait, maintenant, 6 heures, je suis partagé, et vraiment, je tout fini manger. Ok? Et il dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Donc, ça veut dire, je tout fini manger. Mais, et qu'arrivait, maintenant, retourne ce qui finit rester. Bien-aimé, Mollet, partage une petite chose avec toi. Et je me pose, et nous réfléchissons une petite chose. Comment gaspillage que nous, enfants bon Dieu, nous faire? Comment gaspillage vraiment des fois nous faire? Et nous laisse aller, nous dire, nous laisse ça aller, nous. Et nous ne pas arriver vraiment et maîtrise, dirige, gère, quelque chose qui bon Dieu de nous avec sagesse. Des fois, nous avons un manque de sagesse dans quelque chose qui bon Dieu de nous. Mais il y a un manque de sagesse dans la nourriture que Dieu nous connaît. Et vraiment, et mon fils côtoie beaucoup, ma disciple de Jésus-Christ. Mais des fois, vraiment, mon chagrin, des fois, me trouve un gaspillage qu'il nous fait avec la nourriture, bien-aimé. Nous trouve un gaspillage. Et laisse-moi dire des affaires, bien-aimé, toi qui me suis moi. C'est un principe que Dieu a envie qu'il m'applique dans l'année 2018. C'est un principe que Dieu a envie qui vraiment nous appliquer dans l'année 2018. Tu es capable de demander à David pour quelle raison cela? Parce qu'il est souvent dans l'Afrique, capable d'appliquer l'année de cela. Dieu fait une bénédiction avec bonnes affaires. Et aujourd'hui, tu vas trouver énormément de multiplication de quelque chose que Dieu fait de toi. Pour quelle raison? Parce qu'il te va faire vraiment une sagesse vraiment pour ramasser ce qui restait dans toute la vie. Capable vraiment et que tu peux manger un type de la nourriture. Et vraiment de dire Seigneur, tu connais mon. Tu vas dire mon fatigué, donc Seigneur, je peux manger même nourriture. Ok, Seigneur, mon vie, manger un petit peu plus. Mon vie, manger un petit peu vraiment avec plus d'ingrédients. Seigneur, mon vie, manger un petit peu plus avec saveur, avec goût. Mais qui arrivait au moment que Dieu fait le pouvoir à ça de la vie, qui arrivait, et ce qui restait, qui arrivait au choix de ne s'agater. Comprends-moi bien, bien-aimé, c'est une illustration. Soit de ne s'agater, soit vraiment de finir les smooths pour ce dos-là, et vraiment de finir les sagaler. Bien-aimé, laisse-moi dire dans ta fête. Dieu a envie de bénir nous cette année. Mais ce qui nous est là, ce qui bon Dieu pour nous, il a envie qu'il nous gère ça d'une façon avec sagesse. Bon Dieu a envie que l'année 2018 vraiment nous gère tout ce qui nous est là. Capable vraiment et la vie d'une maison, une électricité, une adélo, mais capable nous manger l'électricité, nous manger vraiment l'essence qui nous met dans nos voitures, nous manger l'adélo qui nous servit, nous manger les vêtements qui nous est là, nous manger la nourriture comme on finit, et nous manger aussi l'argent qui Dieu pourvoit pour nous. Et laisse-moi dire des affaires, c'est un manque de sagesse. La Bible dit dans Jacques, il dit celui qui paye la sagesse qu'il fait, lui demander et Dieu vous donne. Bien aimé, je crois que vraiment nous, en tant qu'enfants, mon Dieu, nous pas seulement un chrétien de vêtements, un chrétien de parole, un chrétien de conduite, non, mais un chrétien aussi d'intelligence. Nous un chrétien qui vraiment est dans la sagesse, mon Dieu. Nous sommes un chrétien qui vraiment est qui rempli de wisdom, rempli avec sagesse de Dieu. Capable et l'année qui finit passer vraiment te fait énorme beaucoup de choses. Mais qui fait te ne plus énorme, qui fait te fait perdre, qui fait, laisse-moi dire tant d'affaires, parce qu'il te pas fait qu'on gérer, te pas fait qu'on ramasse pour après, te pas fait qu'on vraiment ramasser pour le temps est vraiment difficile. Ici, nous trouve qui, banane qui fait, je finirai tout, même ma motion, comme on dit, je dis Seigneur, Jésus te fait de nous un petit peu entier et ne me retourne pas. Et vraiment, man morceau du pain. Non, laisse-moi dire des affaires bien aimées. Dieu lui prend plaisir quand nous jette toutes choses avec sagesse.
Bon Dieu, il prend plaisir avec et vraiment la sagesse qui lui est là. Bon Dieu, il prend plaisir avec sagesse qui lui est là. Bon Dieu, pas d'accord qu'il vraiment nous a vraiment un bersuyer, vraiment, et nous a des trois bersuyers qui nous fait et nous met tout, comment dire, ne pas prendre compte, ne pas prendre compte ce qui lui est là, nous gaspille ce qui lui est là. Voilà le mot, nous fait gaspillage avec ce qui lui est là. Bon Dieu, pas content qu'il nous fait gaspillage. Capable de faire gaspillage avec de l'argent. Tu n'es pas capable de jeter de l'argent comme un misère. Capable de faire gaspillage avec la nourriture. Tu peux gaspiller les vêtements qui tu es là. Vraiment, tu es là un certain nombre de vêtements qui arrivent. Te prends, te fais ce qui te pensait, ce qui t'envie. Laisse-moi dire dans les affaires. C'est qui tu es là. C'est Dieu qui nous donne l'opportunité pour te capable gérer celui-là. Alors, bien-aimé, on est encouragé pour l'année 2018. Molé, encourage-toi, bien-aimé, pour bien gérer, pour bien faire attention, pour aider la sagesse, pour ne pas faire gaspillage avec ce qui vient là. Je connais surtout nous ici à l'île Maurice, nous faisons beaucoup gaspillage. Nous faisons beaucoup gaspillage avec ce qui vient là. Et je connais vraiment mon Dieu, il corrige moi, là, moi j'ai des enfants, et mon papa a dit vraiment qu'il fait beaucoup gaspillage. Mais au moment que vraiment mon fils commence à comprendre, mon fils commence à grandir, mon commence à faire une maturité spirituelle, mon commence à comprendre vraiment bien gérer mon vêtement, bien gérer la nourriture, bien gérer mon temps. Et la sagesse, vraiment, pas faire gaspillage avec ce qui bon Dieu de nous, bien-aimés. Je connais un jour, et nous avons un compte à rendre pour tout qui chose. Nous avons un compte à rendre avec l'argent que Dieu fait de nous. Nous avons un compte à rendre et vraiment avec vêtements, avec la nourriture, avec de l'eau, avec l'électricité, avec tout quelque chose qui lui est là, l'eau salée là, nous avons un compte à rendre. Beaucoup de personnes disent comme ça et me pensais que c'est une certaine doctrine. Quand nous pourrons dans le ciel là-haut, Jésus-Christ vous dit bon et fidèle serviteur, vraiment comme la parole dit. Jésus-Christ pour Jésus qui était le péché, pour Jésus qui péchait nous faire. Non, 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 bien-aimé. Dieu pour guérir tout petite chose. Parce qu'il a aussi une bonne, ok, qui vraiment est discipline. C'est un bon disciplinaire. C'est pas seulement un bon disciplinaire qui est dans la terre, non. Mais là-haut, c'est une petite chose qui est vraiment extraordinaire. C'est un bon qui est vraiment qualifié. C'est un bon royal. Alors, bien aimé, est-ce qu'il nous capable de gérer, nous capable vraiment pas faire gaspillage avec quelque chose qui nous est là. Capable aujourd'hui de tout ça, mais ça s'adresse-toi. Tu es capable vraiment et te dire vraiment et David te connaît vraiment ça, mais ça s'adresse pour moi. Ça m'est vraiment mon gaspille qui tu es là, mon gaspille mon bon vêtement, mon gaspille la nourriture, mon gaspille tout quelque chose qui est là. Vraiment, mon pas prend compte, mon pas prend compte la nourriture des fois rester et me laisser comme ça même. Par contre, je suis capable de penser à la nourriture là, mon béni un frère, mon béni une sœur. Bien-aimé, comme un chrétien, nous capable de dire vraiment faire gaspillage. Bon Dieu, fait une bénisseur. Je finis arrive à un rang social extraordinaire. Je finis arrive à un rang et dans un travail extraordinaire, bien puissant, bien content pour je. Mais bien-aimé, est-ce qu'il nous au courant qu'il a les autres qui aiment qui payent? Est-ce qu'il nous au courant qu'il vraiment il a les autres qui aiment, qui vraiment bon Dieu, envie de servir toi comme une bénédiction? Alors nous qui nous fait gaspillage. Nous faisons gaspillage avec ce qui nous est là. Nous ne pas protéger ce qui nous est là. Donc, il fait, et nous disons, non, c'est un frère, non, les bisous ici, les bisous là-bas, les bisous XY, les bisous, les bisous, les affaires. Pour être une source de bénédiction pour les autres, c'est une faveur, c'est une grâce. Alors, bien-aimé, Molé, encourage-toi. Pour bien et vivre avec sagesse pendant l'année 2018. Laisse-moi dire, c'est une affaire. Trois petites choses qui m'ont dit et ont envie d'amener dans la vie. C'est vraiment amener une bonne opportunité. Deuxième petite chose, c'est bien gérer tout le temps. Et troisième petite chose, pas faire gaspillage et vivre avec sagesse. Je me répète, le premier c'est l'opportunité. Bon Dieu, parfois, bonne opportunité dans la vie. Deuxième, c'est de bien gérer tout le temps. Okay? Et troisième petite chose, c'est pas faire gaspillage et vivre avec sagesse de Dieu. Bien-aimé, je crois que ça me sert vraiment à faire une bénie de la vie. Je crois que ça trois vidéos qui nous font faire là. Et vraiment, tu fais expérimenter ta présence de Dieu. Tu fais des trois principes pour être capable de mettre cela dans l'année 2018 et qui te capable d'avancer. Bien-aimé, je crois, je connais que ça trois thèmes que Dieu fait de moi là. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas David qui fait une soirée. Non, c'est le Saint-Esprit qui l'amène ça dans mon équerre afin qu'il soit capable d'être béni là où tu étais.
Cher soeur bien-aimé, me demande-toi, pendant cette vidéo-là, pas cette vidéo-là seulement pour toi, ah, mon fils, il y a trois principes pour que tu seulement avancer. Non, pas du tout. Pendant cette vidéo-là, dans l'autre sens de ton téléphone, de ton tablette, de ton computer, ferme les yeux du monde qui était, ferme un jeune qui était, afin qu'il vraiment, et sa message-là, capable vraiment grandisse comme un fils du royaume. Est-ce qu'il vraiment ne parle pas God cela pour nous non, mais nous capables portage. Bien lui même croit qu'il me finit une bénédiction pour toute la vie. Alors toi aussi est une bénédiction pour la vie des autres. Tiens sûr, me demande-toi, pas faire gaspillage avec ce qui te est là. J'ai allié vraiment avec la sagesse de Dieu. Qui bon Dieu, lui bénit toi.